Salut les amis et bienvenue dans ce troisième épisode des podcasts de DamienCinématiqueUniverse.com. J'espère que vous allez bien. Donc, nous allons continuer notre petit voyage à travers l'Infinity Saga du Marvel Cinematic Universe. La bonne nouvelle, c'est que je suis toujours accompagné par mon expert Marvel, Monsieur S. Salut Monsieur S. Bonjour à tous. Alors avant toute chose, avant de démarrer, j'aimerais vous faire un petit remerciement. Non, on va même dire un énorme remerciement, car les deux premiers podcasts cartonnent. On est super contents parce que bah, voilà, on ne s'y attendait pas. On est une toute petite structure, donc on démarre hein, dans le métier. Mais bon, voilà, ça a l'air de vous plaire, donc merci pour le soutien. La bonne nouvelle, c'est que maintenant, on est disponible sur l'application podcast d'Apple et sur iTunes, du coup. Et nous avons aussi créé notre chaîne YouTube où vous allez pouvoir retrouver en vidéo les podcasts, ainsi que d'autres petites vidéos qu'on va faire au fur et à mesure. Il y en a déjà une qui est dispo, mais je vous laisse aller voir. Vous tapez sur YouTube Damien Cinematic Universe et vous tomberez sur notre chaîne. La bonne nouvelle aussi, c'est qu'on est en négociation avec Deezer et Spotify pour aussi arriver sur leur plateforme. Donc on croise les doigts pourvu que ça fonctionne. Donc voilà, mais en tout cas, merci, merci vraiment de votre soutien. Ça nous donne envie de continuer. Donc voilà, donc eh bien, ne perdons plus le temps et commençons par le premier épisode de cette phase 3 qui est Captain America Civil War. Alors, sorti en 2016, donc deuxième réalisation des frères Russo pour le Marvel Cinematic Universe. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, ils vont se servir de ce mini Avengers, hein, parce que bon, on va pas se le cacher, pour commencer à travailler sur leur technique de faire un film si gigantesque, enfin des films si gigantesques avec scénario et surtout avec la gestion d'autant de personnages pour essayer de donner la lumière à chacun d'entre eux au fur et à mesure du film. Donc voilà, il faut savoir que le succès de Captain America, le Soldat de l'hiver, voilà, les avait bien imprégnés dans Marvel. Et du coup, dès le début, ils savaient de toute façon qu'ils seraient les patrons de cette phase 3, vu le départ de Josh Whedon de toute manière. Donc voilà. Alors, il faut savoir que donc, pour se préparer à ce grand chantier qui était Civil War, ils se sont inspirés des films Fargo et Seven pour la partie narrative. Alors, à la base, Robert Downey Jr. Devait avoir un rôle beaucoup moins important dans ce film. Il n'avait qu'à peu près 3 semaines de tournage de prévu. Ouais. Mais c'est lui, donc Downey Jr., qui a négocié pour que le personnage d'Iron Man ait une place beaucoup plus importante dans l'histoire. Et Kevin Feige accepta. En même temps, je trouve que ça a une certaine logique, puisque Civil War, à la racine, dans le monde du comics, des Marvel, c'est un conflit fratricide, entre guillemets presque, entre Iron Man et Captain America. Donc je trouvais que la demande de Robert Downey Jr. faisait parfaitement sens, ne serait-ce que dans la logique de l'histoire. Bah, d'ailleurs, surtout le fait d'avoir appelé ça Captain America Civil War. Forcément, si le terme Civil War est employé, on s'attendait quand même à avoir un truc 50-50. D'ailleurs, les Russo et Feige ont trouvé l'idée super bonne hein, de développer beaucoup plus le conflit entre Iron Man et Captain America. Ça a permis aussi d'apporter du coup plus de profondeur à l'avenir de l'histoire du prochain Avengers, à savoir que Infinity War commence quand même où Stark n'a plus de nouvelles de Captain America depuis quelques temps. Alors, donc, pour les petits détails de ce film en particulier, il y a une scène qui a été un petit peu surcommentée à l'époque, c'était la scène de l'hélicoptère entre Bucky et Captain. Donc, quand Captain America attrape l'hélicoptère d'un côté, la rambarde de l'autre. Ouais, nickel. Et voilà, donc, genre normal. Et donc, les frères Russo avaient demandé, en fait, à l'époque, à Chris Evans de travailler énormément ses biceps. Donc, on peut le voir qu'il a fait ce qu'on lui a demandé, parce qu'il voulait donner plus de réalisme à la scène et qu'évidemment, il ne voulait pas avoir un effet... Il voulait évidemment rajouter numérique sur le corps de Chris Evans, mais il fallait que Chris Evans ait un corps particulier pour cette scène. Il voulait vraiment qu'on voit les bras de l'Amérique. Ouais, que ça soit vraiment que ça fasse vrai, quoi, qu'il n'y ait pas de transformation numérique. Quoi. Donc, du coup, Civil War aussi en profite pour introniser un nouveau personnage, enfin, un retour à la maison, on va dire. C'est celui de Spider-Man. Alors, le côté négociation entre Sony et Marvel et tout, on verra ça tout à l'heure avec quand on va parler de Spider-Man Homecoming. Par contre, pour le casting, ce qu'il faut savoir, c'est que Tom Holland, depuis le début de sa jeune carrière, souvent en interview, disait qu'il rêvait un jour de jouer ce rôle-là parce qu'il était fan depuis gamin des comics. Et avant même d'être approché par Marvel et Sony, et avant même que Sony décide d'arrêter avec Andrew Garfield, il en parlait déjà en disant que voilà, il était vraiment fan des films et fan du comics. Donc, quand il a été choisi... Alors, il y a eu un casting de malade hein, pour ce personnage-là.
Quand il a été choisi, ça ne s'est pas fait si facilement que ça. Ça s'est fait en deux étapes. La première étape, quand il est arrivé dans le casting final, donc ils n'étaient plus que trois, il me semble, si mes souvenirs sont bons, il a fait une scène avec Robert Downey Jr. directement. Donc là, ils n'étaient pas prévenus. Donc, enfin, lui, en tout cas, n'était pas prévenu. Quand il est arrivé, quand il a vu Robert Downey Jr., ça a été la grosse panique pour lui. Il a fait son casting. Le casting s'est super bien passé. Il n'en restait plus que deux, du coup. Il a été envoyé sur le début du tournage de Civil War. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, il a eu le rôle pendant le tournage de Civil War. Il est arrivé sur le tournage et là, il a rencontré Chris Evans et il a fait une deuxième scène avec Chris Evans. Et en fait, les frères Russo, Feige, Robert Downey Jr. surtout, ont vraiment, ils se sont dit s'il y a pas photo, ça sera lui et il faut que ça soit lui. Quoi. Donc évidemment, ce film Civil War permet l'apparition pour la première fois d'un autre personnage qui est quand même emblématique de l'univers Marvel, qui est Black Panther. Alors, yeah. Pour la petite histoire, Black Panther s'appelle pas comme ça par hasard d'ailleurs. Le choix du Black Panther, ça a une consonance historique hein, par rapport à tous les événements qu'il y a eu à l'époque aux États-Unis. Donc, dans l'univers Marvel, le vrai premier personnage noir. Donc, pour le coup, en plus, ils ont eu l'intelligence de ne pas aller faire un personnage... Enfin, c'est pas une question d'intelligence, mais ils ont fait le choix de ne pas créer un personnage afro-américain, mais directement un personnage africain, enracinant ses origines africaines avec la culture africaine et mis en valeur à travers ce personnage et de très belle manière, ne serait-ce que dans les comics déjà au départ. Et c'est ça qui a fait, par derrière, un personnage complètement... intrinsèquement connecté à l'univers Marvel pour toujours, avec une importance, je dirais presque au même niveau que peut avoir Captain America ou Iron Man au fil des années. Et de plus, il faut savoir une chose, c'est que dans les comics, Black Panther fait un lien direct entre les Avengers et les X-Men, puisqu'il épousa Tornade à un certain moment dans un des arcs narratifs Marvel. Donc en plus, créer la connexion entre les deux univers, Avengers et X-Men. Pour en revenir au film, donc Chadwick Boseman, donc l'acteur qui avait été choisi pour ce rôle, a fait une préparation en trois points. Donc la première, physique, alors ça c'est une habitude Marvel. Hein. C'est le Marvel Effect. Le Marvel Effect, donc lui aussi il a gommé sa petite pilule, mais il a travaillé sur un côté très félin du personnage. Je ne veux pas devenir une masse de muscles façon Captain America, mais il voulait quelque chose de plus athlétique et plus félin. Ensuite, par contre, il est devenu incollable sur le personnage. Lui, il a tout bouffé au niveau comics. Parce que lui, ça a été l'inverse. Lui, il ne connaissait pas du tout le personnage. C'est ça. Donc, il partait de zéro. Donc, il avait dit, je pars de zéro, je vais être à 100%. Donc, il a fait 100%. Il a tout lu, tout ce qu'il a pu trouver, il l'a lu. Et ensuite, dans une dernière étape, en fait, il a visité l'Afrique centrale donc, pour s'imprégner des origines de T'Challa. Et d'ailleurs, je trouve que... parce que même quand il joue Black Panther, il prend en version originale, pas en version française. En version originale, il prend un petit accent. Il a un accent, ouais. Oui. Il a vraiment un accent. Ce qui est dommage d'ailleurs, je pense que ça n'a pas été retranscrit en version française parce qu'on avait plus peur du Michel Leb Effect qu'autre chose. et que ça soit plus, discriminatoire et moqueur qu'autre chose. Mais c'est vrai que dans la version américaine, il arrive à prendre un petit accent qui est vachement bien et je trouve qu'il donne une petite note au personnage qui est. J'aime bien le petit truc qu'il apporte. Donc voilà pour Black Panther. Ce qu'il faut savoir, c'est que le film donc a deux scènes post-génériques. Elles nous apprennent que Captain America et Bucky vont poser leurs valises au Wakanda. Et le film se termine où Bucky va être congelé, hein, chacun son tour. Et la deuxième, c'est Peter Parker qui découvre le petit cadeau de la part de Stark et tout avec son nouveau costume et les petits gadgets qui sont dedans, qui seront encore plus développés au moment de Spider-Man Homecoming. Alors, on enchaîne directement en 2016, dans la même année, avec Doctor Strange. Alors là aussi, on est complètement dans un personnage mythique de l'univers Marvel, et très attendu par les fans des comics, ça c'est certain aussi. Donc il fallait un réalisateur à la hauteur, et spécialisé dans les films de paranormal. Je trouve que c'est vrai que c'est une bonne logique de la part des studios. Donc c'est Scott Derrickson, réalisateur de L'Exorcisme d'Emily Rose, Sinister et Délivre-nous du Mal, qui a été choisi à l'époque. Que des films d'amour. D'ailleurs, pour la petite histoire, on a eu la chance, Monsieur S et moi, de voir ce film en avant-première lors de la Comic-Con en 2016. Il avait été diffusé en 3D.
Alors bon, moi j'affectionne particulièrement la 3D. Monsieur S n'est pas très fan. Pourtant, je crois que c'est la première fois où tu m'avais dit qu'un film correspond, enfin, collait super bien avec la 3D. Si c'était au niveau des effets, c'était. Alors complètement, oui. Moi, je le suis. Je revendique. Je suis pas très fan de la 3D. Mais j'avoue, c'est rare les films où je dis oui, ça a un intérêt d'avoir eu la 3D. Un film comme Doctor Strange. Oui, j'avoue, ça a aidé à se transporter et ça a été très bien fait. Ouais. Ça, je le reconnais. Par contre, les lunettes sont toujours complètement un cauchemar à porter. Voilà. Alors, Doctor Strange, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a failli arriver au cinéma à 3 reprises, bien avant le lancement du MCU. En 92, Wes Craven s'est intéressé au projet. Monsieur Scream ou Monsieur Freddy Krueger, voilà. Entre autres, un grand génie des films d'horreur. Et en 2001, c'était David S. Goyer, et surtout en 2008, Guillermo del Toro avait été approché pour réaliser le film, et puis bon, finalement ça s'est pas fait. Alors, vous vous en doutez, puisqu'on parle d'un film MCU, donc le premier numéro d'un nouveau personnage, la liste des pressentis pour le rôle de Doctor Strange est longue comme mon bras et même limite ridicule. Alors, je vous rassure, donc pour ceux qui auront écouté les précédents podcasts, oui, revoilà la sous-préfète. Donc, le pauvre Joseph Gordon-Levitt faisait partie des nominés, mais non pas des reçus. Ouais, donc, alors, on rajoute à la liste Evan McGregor, Johnny Depp, Jared Leto, Keanu Reeves, Ryan Gosling, Jack Gyllenhaal, ah tiens, ouais. Ethan Hawke, Matthew McConaughey, Oscar Isaac, bref, j'en passe et des meilleurs. Et pourtant, la plupart n'ont pas de ressemblance avec Strange. Alors, dans l'univers MCU, les ressemblances physiques avec les personnages, effectivement, sont parfois recherchées dès le départ et sont parfois après amenées par les costumes et le maquillage. Mais là, effectivement, le Docteur Strange, voilà, il a un physique, il a surtout un visage. Il fallait quand même un acteur qui puisse un petit peu lui ressembler. C'est clair. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand Benedict Cumberbatch a été pressenti pour le rôle, la première fois, il avait décliné l'offre. Tout simplement parce qu'en fait, il était engagé sur une pièce de théâtre sur Hamlet. Parce que vous savez que maintenant, Marvel, Disney prévoient les films bien avant même l'écriture du scénario. Des fois, ils posent déjà les dates. On a pu le voir récemment avec toutes les annonces de l'après Infinity Saga. Donc, le film était déjà prévu pour juillet 2016. Donc du coup, bah, au niveau du timing du calendrier de tournage, c'était pas possible pour Cumberbatch. Alors, on sait pas pourquoi, si c'était parce qu'il voulait vraiment Cumberbatch ou pas, mais en tout cas, le film a été décalé à novembre 2016, donc forcément, le tournage a aussi été repoussé. Donc du coup, à ce moment-là, Cumberbatch a finalement pu se libérer. Alors, il faut savoir aussi que Cumberbatch a expliqué que lors d'une année sabbatique, il était parti enseigner l'anglais pour une OMG dans un monastère bouddhiste. Du coup, cette expérience lui a beaucoup servi pour le tournage du personnage de Strange. Mads Mikkelsen, qui joue le rôle de Caecilius, devait d'abord jouer le rôle de Malekith dans Thor, le monde des ténèbres. Mais pour cause d'emploi du temps, à l'époque, encore une fois, il a dû renoncer. Mais c'est vrai que bon, bah, voilà, ce mec a une gueule d'ange pour jouer tous les méchants de l'univers. Et je comprends aussi que Marvel l'ait quand même gardé sous le coude lui ait proposé ce rôle dans Doctor Strange. Et en fait, ils ont eu raison. Et je pense qu'il y a aussi beaucoup d'acteurs qui, quand ils loupent le coche une fois, partent bien en disant « Par contre, si vous pensez à un autre rôle pour moi, l'univers Marvel, n'hésitez pas. » Je suis là. Alors, pour la scène de combat dans l'hôpital, une des scènes un peu hallucinantes du film, c'est clair. Donc le réalisateur et toute l'équipe technique ont visité des salles de chirurgie au départ pour être raccord au réaliste. Et pour la petite anecdote, la scène a été tournée en un plan séquence. En un plan séquence, sans coupure. Sans coupure. Comme pour d'ailleurs la scène là, qui est super impressionnante, c'est la scène de destruction, la scène de fin à Hong Kong. Il y a très peu d'effets numériques dans cette scène pour tout ce qui est destruction. Ils ont quand même utilisé 350 tonnes de décombres et de gravats et de tout ce que vous voulez pour recréer la scène de la rue de Hong Kong. Donc ils ont vraiment voulu pointer le réalisme jusqu'au bout. Et c'est vrai que ça le fait. On le voit tout de suite quoi. Et ça, c'est intéressant aussi, c'est que Marvel va s'apercevoir quand même que sur beaucoup de films, le numérique, ça aide beaucoup,
Mais il y a quand même, bah d'ailleurs, si on fait une petite aparté, si vous voyez la franchise des années 90-2000 de Star Wars, qui a été entièrement quasiment tournée, je crois que c'est la franchise, les films qui ont été le plus, qui ont le plus de scènes sur fond vert. Bon, bah, je suis désolé, mais au bout d'un moment, ça se voit quand il n'y a pas de vrai décor. Donc là, ils sont revenus quand même sur un aspect un peu plus réaliste, et pour des grosses scènes gigantesques comme ça, ça matche toujours. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur notre cher Doctor Strange. Et donc, l'année suivante, en 2017, nous avons eu la chance d'avoir les Gardiens de la Galaxie Volume 2. Alors, tout d'abord, 2017 et 2018 hein, ont été quand même deux années chargées avec trois films du MCU par an. Donc ça, c'était quand même super cool. Là, on va vraiment rentrer dans deux années bien pépouzes. Les Gardiens de la Galaxie, toujours réalisés et écrits par l'excellent James Gunn. De toute façon, je pense que lui, les Gardiens de la Galaxie, c'est comme Robert Downey Jr. et Iron Man. Ils seront inséparables à vie. Alors, pour jouer le rôle d'Ego, donc un des personnages principaux, le gros méchant, on va dire, du film, encore une fois, on reprend notre petite liste très longue, comme le bras, de nommés. Donc, les nommés dans le rôle éventuellement de Ego étaient Liam Neeson, Viggo Mortensen, Christoph Waltz, Christopher Plummer, Max von Sydow et Gary Oldman avaient tous été approchés. Mais c'est Kurt Russell qui a eu le rôle. C'est d'ailleurs Gunn lui-même qui l'a appelé pour lui proposer le rôle. La réponse de Kurt Russell a été quand même drôle. Il a dit à Gunn qu'il ne connaissait pas le premier gardien et qu'il ne savait même pas qui était Gunn. Donc bon, après on peut comprendre, je pense que générationnellement on était un petit peu dans les deux opposés. Et donc, du coup, c'est après une rencontre, après explication et visionnage du premier gardien de la galaxie qu'il a finalement accroché parce qu'en fait, il a expliqué qu'il a retrouvé dans le premier et dans l'univers de James Gunn, enfin dans sa vision en tout cas du premier, un peu un truc un peu barré comme il avait fait un moment avec Carpenter pour Los Angeles 97, etc. Donc voilà, c'est ce qui a fait pencher la balance sur sa décision. Et autre petite parenthèse pour en finir avec Kurt Russell dans le rôle d'Ego, c'est que dans ce film également, on aura de nouveau pu voir un acteur mythique rajeuni de manière absolument impressionnante. Et je dirais que dans l'ensemble du MCU, on a des rajeunissements d'acteurs comme ça. On les revoit dans leur rôle de l'époque. Et notamment, effectivement, moi j'avais pensé à Los Angeles 2013 quand j'avais revu cette version de Kurt Russell rajeuni. Alors, donc, il faut savoir que donc, plusieurs petits détails hein, au niveau de ce film. Il faut savoir que, par exemple, on retrouve une petite Française. Allez, on recette le petit instant cocorico hein, dans le MCU. Mais Pomme Clémentieff, donc, c'est pas une actrice extrêmement connue, même en France, faut être honnête. Mais on a pu la recevoir dans des films comme Les Kaira ou Radio Star. Alors, il y a une petite histoire aussi toute mignonne, enfin, qui l'est maintenant, hélas. C'est que James Gunn et Kevin Feige avaient un point commun, c'est qu'ils étaient tous les deux fans de l'excellent chanteur David Bowie. D'ailleurs, ils lui avaient proposé, enfin, ils auraient voulu qu'il joue dans la suite. Hélas, il est mort avant le tournage, et du coup, sa participation n'a pas eu lieu, mais normalement, il devait faire un caméo dans le film. Alors, il y en a quand même un qui a beaucoup apprécié le tournage du numéro 2 des Gardiens de la Galaxie, c'est Dave Bautista, pour le maquillage de Drax, notamment, puisque par rapport au 1 où il est passé de 4 heures à 90 minutes hein, donc, pour passer à la cabine maquillage. Alors, par contre, il devait passer une heure le soir en fin de tournage dans un sauna pour décoller la structure de son maquillage. En tout cas, c'est une belle, prouesse technique parce qu'en 4, en 3 ans, parce que les Gardiens de la Galaxie étaient sortis en 2014, donc je ne sais pas si vous vous souvenez, sur l'épisode précédent, on en avait parlé. Mais bon, enfin voilà, le gain technique et le gain de temps est quand même assez conséquent. Alors le film tient un record, quand même, dans le MCU. C'est celui du plus grand nombre, c'est le film qui a le plus grand nombre de scènes post-génériques. Le film en a 5, quand même, donc c'est pas rien. Je sais pas, je pense que ça, James Gunn avait envie de continuer le truc, quoi. Il voulait pas arrêter son film. Alors la première, bon, elle est, voilà, c'est la petite scène sympathique où... Kraglin joue avec la flèche de Yondu. Donc je ne vous précise pas où est-ce qu'elle atterrit, vous verrez le film, c'est pour ceux qui ne se souviennent plus. Deuxième petite scène post-générique, c'est pour rendre hommage à la première version des Gardiens. Enfin, pas la première version du film, la première version historique des Gardiens de la Galaxie. Gunn a repris les personnages et les a intégrés dans les Ravageurs, donc Stallone et...
et toute la clique. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ces personnages-là, dans l'origine story des comics, ce ne sont pas des ravageurs, mais ce sont les premiers personnages qui ont composé les gardiens de la galaxie. Donc James Gunn s'est inspiré de la nouvelle version, mais voilà, j'espère en tout cas qu'il y a fort à parier qu'on les reverra dans les Gardiens de la Galaxie 3, qui est maintenant certifié, parce que voilà, je les avais trouvés sympathiques comme perso. Alors la troisième scène post-générique, c'est vraiment la plus importante, puisque on voit l'évocation d'un certain Adam. Donc alors pour les fans du comics, évidemment, ils ont tout de suite compris qu'il s'agissait de Adam Warlock. Alors peut-être que ça pourrait être le grand méchant du MCU pour les prochains films, mais ça fera partie des choses qu'on évoquera dans le prochain épisode. Ouais, parce que pour info, dans le dernier épisode de ce podcast, donc dans le quatrième, dans l'épisode 4, nous reviendrons, en fait, mais nous essaierons de voir et on fera un point sur tous les films qui vont arriver après l'Infinity Saga, même si nous, on va s'arrêter sur l'Infinity Saga, sur Endgame, mais il est vrai qu'il y a quelques jours, Kevin Feige a annoncé que finalement Endgame n'était pas la fin de l'Infinity Saga, mais Spider-Man Far From Home. Bon, on verra ce qu'ils vont en faire, mais voilà. Pour moi, je pense que la vraie fin de Endgame sera, enfin la vraie fin de l'Infinity Saga sera sur Endgame. Et du coup, la quatrième petite scène post-générique, c'est la crise d'ado de Groot, avec sa chambre en bordel, etc., quand Chris Pratt rentre dedans. Donc pareil, petite scène sympathique qui paye pas de mine, mais qui était super drôle. Et évidemment la cinquième, parce qu'on l'avait oublié pendant tout le long du film, on l'avait même attendu, on revient sur le caméo de Stan Lee qu'on avait vu un petit peu plus tôt. Voilà, l'homme de l'espace. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur nos chers gardiens et amis de la galaxie. Alors, deuxième film de 2017, le grand retour de Spider-Man, enfin pas le grand retour, mais l'arrivée de Spider-Man dans le Marvel Cinematic Universe avec Spider-Man Homecoming. Alors, bon, on va pas revenir sur le casting de Tom Holland, vous l'avez compris il y a quelques minutes. Par contre, on va parler vite fait des négociations, comment en fait Marvel a récupéré, entre guillemets, Spider-Man. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand Amazing Spider-Man 2 a fait un semi-flop, on va dire, mondial, Sony a commencé à se poser des questions sur la suite à prendre avec l'homme araignée. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que Spider-Man 3 de Sam Raimi n'avait pas été un franc succès. Pourtant, c'est un des préférés des fans sur les trois épisodes. Mais voilà, il avait moins bien marché, donc du coup, ils avaient fait une pause, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que Sam Raimi, à l'époque, le scénario du 4 était déjà prêt, donc ils pensaient vraiment qu'il allait en faire un quatrième. Ils ont fait une petite pause, ils sont revenus, du coup, avec The Amazing Spider-Man et Andrew Garfield. Le premier avait fait un carton, le deuxième, un peu moins. Donc c'est vrai que Sony commençait à se poser des questions. De son côté, t'avais Marvel qui, eux, étaient déjà dans l'après-Infinity Saga, même si, voilà, on est encore loin d'Avengers Infinity War, mais voilà, ils ont commencé, ils savent, de toute façon, je crois qu'ils vont jusqu'à 2027 ou un truc comme ça dans leur planning. Et le problème, c'est que le fait de ne pas avoir Spidey dans le MCU commençait à poser de plus en plus de problèmes, surtout pour l'avenir. Parce que, faut pas se leurrer, s'ils ont casté un acteur jeune comme Tom Holland, c'est parce que je pense que Spider-Man va avoir un rôle beaucoup plus important sur l'après Infinity Saga. Donc en fait, ces deux studios qui avaient l'un qui cherchait à résoudre une problématique, l'autre qui savait plus trop quoi faire de son personnage, du coup ils se sont associés. Mais alors du coup, attention, Spider-Man n'appartient toujours pas à Marvel. Sony est toujours propriétaire de la franchise, parce que voilà, ils l'ont acheté à Marvel il y a pas mal de temps. C'est un accord de droit de l'image, c'est-à-dire que Marvel maintenant a le droit d'utiliser Spider-Man dans ses films. D'ailleurs, les films avec Spider-Man, enfin concentrés sur Spider-Man, ce sont des films coproduits par Marvel et Sony. Donc du coup, Feige n'est pas seul décisionnaire dessus, il y a aussi la grande Amy Pascal qui travaille chez Sony depuis des années, qui du coup est coproductrice avec Feige. Donc, pour le réalisateur, Feige et Amy Pascal voulaient une personne capable de faire ressortir la personnalité et l'humour de Peter Parker. Et donc, c'est cette même Amy Pascal qui explique que
Feggy et elle avaient vu le travail de Watts sur Cop Car et qu'ils avaient réussi, et qu'il avait réussi d'ailleurs sur ce film, malgré le fait qu'il travaillait avec de jeunes acteurs complètement amateurs, à faire ressortir des émotions et surtout à raconter une histoire à travers l'action. Et donc, bah, c'est grâce à ça que donc, ce fut la rencontre entre ce réalisateur et Tom Holland, qui depuis sont devenus très amis. Ouais, c'est clair. Et d'ailleurs, Cop Car, je vous le conseille si vous ne l'avez jamais vu, c'est un super film. Les frères Russo, d'ailleurs, eux aussi ont sensé le professionnalisme et la gentillesse de Tom Holland. D'ailleurs, à chaque fois qu'il. Enfin, tout le casting, même après Endgame et Infinity War, tous ont dit que Tom Holland était vraiment un gamin super attachant et super gentil. Donc voilà, il a vraiment su s'imposer dans le MCU quand même, quoi. Alors, le méchant de ce film, le vautour, donc, en fait, l'idée a été lancée pour le nouveau méchant de cet épisode. Quand l'idée du vautour a été lancée, c'est tout de suite Michael Keaton qui a été évoqué. Mais du coup, bah, comme d'habitude et comme souvent, son emploi du temps ne correspondait pas du tout avec celui du tournage, ce qui a beaucoup attristé Feige. Du coup, ils ont commencé à chercher un autre acteur pour le remplacer, mais ils n'y arrivaient pas parce que le scénario, je pense que, voilà, dans son idée, même Watts, d'ailleurs, l'avait imaginé, même les dessins de pré-production et tout, étaient à l'image de Michael Keaton. Mais du coup, ils le voulaient tellement qu'ils ont décalé le tournage pour que Keaton soit bien présent dans le film. Donc là, c'est vraiment, c'est vraiment un gros truc, c'est qu'ils voulaient tellement ce mec, en même temps, c'est un acteur tellement incroyable, que bah, du coup, ils ont préféré décaler le tournage et ils ont eu raison. Après, il y a beaucoup de rumeurs qui disent que c'est en fait à cause du film Birdman, ouais, qu'il avait été sollicité pour ce rôle du vautour, donc le film Birdman pour lequel il avait eu un Oscar quelques temps auparavant. Non, il a failli avoir, il ne l'a pas eu du coup. Il ne l'a pas eu. Souvenez-vous de l'image, regardez sur YouTube, vous allez voir, au moment où ils annoncent les gagnants, tout le monde pensait que ça allait être Michael Keaton, et au moment où ce n'est pas lui, ben, on voit ranger dans sa petite poche de son costume un petit mot qui, à mon avis, était son discours, et avec beaucoup de classe. Et alors, le deuxième bad guy du film, alors, c'est un des personnages les plus connus du comics. Ah, chez les fans, en tout cas. Chez les gros fans, voilà. C'est le bricoleur. Donc, même si dans le film, il est mis au deuxième plan. Alors, c'est le mec qui construit toutes les armes pour le vautour, qu'on voit derrière toujours derrière son établi avec des lunettes, loupes, machin, etc. Donc, c'était un petit clin d'œil de vouloir l'intégrer. Alors, après, est-ce qu'il fera partie du futur de Spider-Man ça? Seul l'avenir nous le dira. Alors, grosse scène impressionnante dans ce film-là, quand même, c'est la fameuse scène du ferry qui se coupe en deux. Donc, elle est quand même assez impressionnante. Et, comme je disais tout à l'heure, une fois de plus, Marvel a voulu faire un retour sur le réel et le concret, et pas trop sur les effets spéciaux. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une partie du ferry a été reconstruite entièrement et à échelle humaine, enfin, à sa vraie taille, en studio. Et en fait, le ferry était positionné sur vérin et il s'écartait réellement. Donc, c'est-à-dire que la scène où vous voyez le ferry de face avec Spider-Man qui essaye de tenir tant bien que mal le ferry de chaque côté avec ses toiles, en fait, c'est pas un effet numérique, c'est bien Tom Holland qui est dessus, tenu par des câbles qui ont été effacés numériquement, ça d'accord, mais qui tient réellement un vrai morceau de ferry coupé en deux. Et ça, bah pareil, voilà, ça donne encore plus de cachet. Alors tout le reste est numérique, hein, ça je vous rassure, le reste de le décor, etc., avec New York en fond. Mais en tout cas, le ferry en lui-même, et d'ailleurs Tom Holland expliquait que c'était super impressionnant de se trouver là, parce que quand il voyait le ferry s'ouvrir comme ça, et ben voilà, il y avait pas d'effet, donc du coup il disait que c'était à voir, c'était quand même impressionnant, et encore plus quand il était suspendu à maintenir les deux côtés. Et au bout d'un moment, il a même dit que il avait fini par vraiment se croire. C'est la première fois, il s'était vraiment cru réellement Spider-Man, parce que là il avait vraiment l'impression d'avoir la force pour pouvoir rabattre le ferry et le réparer. Alors, pour le costume, qui est presque un personnage à part entière du film, Feige et Watts voulaient se rapprocher le plus possible des costumes originaux. Donc c'est pour ça que l'idée que le costume soit conçu par Stark Industries permettait d'intégrer l'expression dans les yeux, donc, ouais. Idée géniale, c'est certain, ouais, c'est clair. Et les fameuses petites ailes sous les bras. Alors la voix féminine du costume est celle de l'actrice Jennifer Connelly, donc, au passage, et dans la scène post-générique, Toomes rencontre Mac Cargan en prison, alias le Scorpion. Voilà. Donc pareil, est-ce que ça, c'est pour laisser des bribes d'idées comme quoi il y aurait une petite arrivée des Sinister Six plus tard, ou c'est juste
pour donner un petit peu de plaisir aux fans. Mais en tout cas, voilà, il y a beaucoup d'éléments dans ce Homecoming qui laissent entrevoir l'avenir pour notre cher Spidey. Donc, bah, toujours dans la même année. Donc voilà, troisième film du MCU auquel on a eu le droit en 2017, Thor Ragnarok. Alors cette fois-ci, changement de réalisateur encore une fois, Taika Waititi, un nom super dur à prononcer, mais alors il faut savoir que c'est un mec complètement barré. Donc c'est le cinquième réalisateur du MCU à avoir été choisi par Marvel sans aucune expérience dans la réalisation de blockbuster. Donc ça, Marvel aime beaucoup faire ça. Je trouve l'idée vachement ingénieuse parce que je pense que le fait de prendre des réalisateurs comme ça qui n'ont pas d'expérience de gros films à effets spéciaux apporte de la fraîcheur. Peut-être ce que n'apporteraient pas des réalisateurs expérimentés. Et je trouve que l'idée est bonne. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Waititi est plutôt spécialisé dans les films horrifiques. Et donc voilà, donc pareil, qui n'avait rien à voir avec l'univers Marvel. Alors, une volonté du réalisateur sur ce troisième opus des aventures de Thor, c'est de se détacher un peu du côté dramatique des deux premiers, on va dire, opus. Et donc le réalisateur a voulu appuyer sur les capacités comiques de Chris Hemsworth. Ouais. D'ailleurs, je trouve que ça match. Ah, quand même. Enfin, le film est pas mal. En plus, il est très coloré. Enfin, rien que l'affiche du film déjà est super colorée. Et je trouve que d'apporter comme ça un petit peu de comique, tragicomique dans le film, était surtout la relationnelle avec Hulk. Elle est juste géniale. Alors, bien sûr, avant que Taika Waititi soit choisi, comme d'habitude, hein, il y a eu une palanquée de réalisateurs qui ont été approchés, comme Ruben Fleischer, celui qui a réalisé Bienvenue à Zombieland. Il y a aussi Robson Marshall Turber, Les Miller, pour ceux qui connaissent, petite comédie, et Rob Letterman surtout, qui avait fait Les Voyages de Gulliver, donc lui voilà, était plutôt spécialisé dans les films à effets spéciaux, donc voilà, tous ces charmants monsieur avaient été contactés, et une fois de plus, bah, c'est un petit nouveau qui a eu le trophée. Alors pour le coup, ça nous permet aussi de noter que donc Thor est le seul personnage qui a eu un réalisateur différent pour chacun de ses films. Ouais, c'est clair. C'est vachement étrange, mais bon, comme ça. D'ailleurs, pour reprendre le rôle de Thor, le grand Chris Hemsworth a dû reprendre près de 10 kilos de muscles grâce à un entraînement intensif et sur une courte durée qui s'est avérée être la préparation la plus dure depuis qu'il joue le demi-dieu. Marvel Effect. Alors là, au lieu de prendre une pilule, il a dû en prendre deux, parce que du coup, il a dû reprendre beaucoup de muscles, reprendre sa structure et sa carrure de Thor beaucoup plus rapidement. Parce que je ne sais pas si vous avez déjà vu des films avec Chris Hemsworth hors Thor. Alors, le monsieur est toujours bien bâti, hein, y a pas de souci, mais il y a quand même... Il sèche drôlement. D'ailleurs, il suffit juste de regarder la bande-annonce de Men in Black International pour voir qu'effectivement, il n'a plus rien à voir avec... le Thor, et encore moins avec le Thor de Endgame. Mais ça, on y reviendra. Pas de spoil. Alors, Kate Blanchett, hein, parce qu'il n'y a pas que Chris Hemsworth qui s'est préparé. C'est clair. Kate Blanchett s'est elle aussi entraînée pour son rôle de Ella. Elle est partie loin. Oui. Alors, donc, elle s'est préparée à travers des cours de capoeira. Et elle est très portée sur le sport à la base. Ouais. Donc, en fait, elle faisait faire une séance d'étirement à toute l'équipe du tournage, tous les matins avant le début de journée. Elle a aussi accepté le rôle, entre petites parenthèses, pour faire plaisir à ses enfants. Alors, c'est quelque chose qui revient souvent dans la bouche des acteurs. Mes enfants étaient fans de l'univers Marvel. Alors, quand ils ont dit que je pouvais avoir un rôle dans l'univers Marvel, j'avais plus le droit de dire non, juste. Bah, elle en fait partie. Ouais, en même temps, c'est la classe, quoi. Rien que pour tes enfants, quand tu regardes tes enfants en disant je joue dans un Marvel. C'est ça. C'est la classe. Alors, pareil, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que, bah, du coup, petite gentillesse de la part de Marvel. C'est que du coup, Waititi avait des origines néo-zélandaises et Hemsworth est australien. Donc, ces messieurs se sont dit, tiens, si on allait tourner le film chez nous, ça évitera d'aller trop loin. Donc, Thor Ragnarok est le premier film Marvel à avoir été intégralement tourné dans l'hémisphère sud. Alors, évidemment, tout le monde l'aura remarqué. Nathalie. Quoi ? Nathalie Portman n'apparaît pas dans ce troisième épisode. Je l'ai fait trop tôt. Quoi ? Voilà. Alors, pour plusieurs raisons. Alors, évidemment, comme d'habitude, il y a la partie officielle, la partie officieuse. Voilà. Officiellement, c'était que Feige, les scénaristes, voulaient que Thor ait une relation avec un personnage féminin qui pourrait lui tenir un peu plus tête, autant physiquement que moralement. Donc, d'où l'apparition du rôle de Valkyrie. Alors, la raison officieuse était vue que
Portman avait quand même amené pas mal de difficultés lors du tournage du deuxième épisode des Aventures de Thor, qu'à un moment, Marvel s'est dit « Bon, est-ce que ça vaut vraiment le coup de la rappeler ?» Donc, en fait, Feige n'avait pas voulu re-signer avec elle. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que notre cher réalisateur Taiki Waititi n'a pas fait que réaliser le film, il n'a pas que un nom imprononçable. Non, le monsieur joue dedans. Il joue le rôle de Korg, un espèce de gros monstre en pierre, là, qui est très mignon, en plus, qui est tout doux quand il parle. Et donc, il prête sa voix. Alors, à la base, il voulait que prêter sa voix. Et finalement, les techniciens lui disent non. Il dit, barré comme tu es, tu vas aussi jouer le rôle. Et du coup, il a fait toute la motion capture avec les combinaisons, les petites boules et tout, etc. Et du coup, il a dû jouer aussi le personnage, que ça soit vocalement que physiquement. Alors, pour ne pas encombrer, entre guillemets, la sortie du Spider-Man Homecoming, qui était prévue le 28 juin à ce moment-là, bah, Thor Ragnarok, qui devait donc sortir le 28 juillet, lui, a été décalé au 3 novembre aux États-Unis. Ouais, c'est ça. Bon, en même temps, c'était pas con, parce que le fait d'introniser un nouveau personnage comme ça, comme Spider-Man, et qui était tellement attendu, je pense qu'il valait mieux décaler et laisser la pilule retomber, et surtout laisser passer l'été, même s'il y a les gros blockbusters, mais je pense que deux comme ça, coup sur coup, ça aurait été trop. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur notre cher ami Thor. Et du coup, nous allons passer à l'année suivante, en 2018. Pareil, 2018, hein, trois films, hein, on a eu un petit cadeau aussi. Alors le premier, bah, ça a été l'arrivée, enfin, de Black Panther avec son film propre. Alors bien sûr, hein, ça a été un gros succès, ça a été un étonnement pour tout le monde. Mais surtout, ça a été la rencontre entre Feige et Ryan Coogler, le réalisateur. Alors c'est une rencontre de passionnés. Feige, en fait, il a expliqué que Coogler était tellement passionné quand il expliquait sa vision de Black Panther. Parce que ce qu'il faut savoir aux États-Unis, alors je vais vous le rappeler, j'en avais parlé un peu dans le premier épisode, c'est qu'aux États-Unis, ce qu'on appelle les films de commande, ou les idées de commande en tout cas, parce que bon, là le scénario n'était pas tout à fait écrit, enfin bon voilà, mais Marvel convoque plusieurs réalisateurs et leur dit bon bah voilà, explique-moi ta vision, qu'est-ce que toi tu vois. C'est ce qui s'est passé avec Coogler, et en fait le mec était tellement passionné quand il expliquait sa vision de Black Panther, qu'en plus de toutes les idées qu'il avait, c'est à ce moment-là en fait que Feige a su que Coogler serait l'homme de la situation. Quand Coogler a expliqué qu'il a tellement été impressionné par la passion et l'investissement de Feige chez Marvel, il savait qu'en fait entre les deux, que les deux seraient entre bonnes mains. Parce que bon voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que Feige, même s'il ne connaissait pas tout l'univers Marvel quand il est devenu patron des Marvel Studios, s'est beaucoup impliqué et a augmenté énormément ses connaissances. Et du coup, bah voilà, c'est le fait de deux passionnés vraiment qui se sont associés et ils ont eu raison, parce qu'on voit le carton que ça a fait derrière. Donc Coogler en même temps a mis ses petites conditions avant de signer, hein, donc il voulait l'écriture du scénario intégralement, que sa garde rapprochée entre guillemets soit présente sur le tournage, voilà son crew, donc sa chef op, son chef décorateur et son compositeur Ludwig Göransson. Alors avant que Coogler soit approché, c'est la réalisatrice du film Selma, Ama DuVernay, qui était sur le projet. Mais comme souvent chez Marvel, elle a abandonné le projet pour divergence artistique. Ça, c'est le terme hollywoodien pour dire désaccord, mauvaise entente, on n'est pas copains. D'ailleurs, Black Panther est le premier Marvel tourné en intégralité avec des caméras IMAX, pour la petite info. Grand format. C'est un nouveau système de chez IMAX. Et Black Panther a été le premier film du MCU à être tourné comme ça. Alors, deux films ont inspiré le scénario de Coogler, donc pour sa version de Black Panther, Le Parrain et James Bond. Alors, chacun verra comment et à quel moment il s'est inspiré de ces deux films. Mais il y a une scène personnellement moi, qui m'avait sauté aux yeux, c'est la scène de rencontre entre le crew de Black Panther, donc dans le casino, enfin dans l'espèce de, de salle de jeu, et qui évoque un James Bond qui était relativement récent, où se passe également dans un film, dans un pays asiatique, une rencontre dans un casino. Donc moi j'y ai vu vraiment là un clin d'œil. Alors il explique qu'il voulait un film dramatique sous un fond de fresque familiale et avec un soupçon de film d'espionnage. Ouais. Alors, pour la cité du Wakanda, Coogler a donné qu'un exemple d'inspiration à sa chef décorateur, Blade Runner. Ouais, ça, c'est... Alors, là, petite pression. Le mec te dit juste ça. Quand t'es chef décorateur, tu dis, oh putain, j'ai du taf, là. Mais bon, en tout cas, voilà, le rendu du Wakanda, moi, franchement, je le trouve super bien. Tout à fait. Alors, du coup... Quand Coogler a écrit le scénario, il a cherché le nom du personnage interprété par Martin Freeman.
Et bon, ben voilà. Coogler étant un passionné, alors je ne vais pas dire de série, mais plutôt de sitcom des années 80-90. Du coup, le personnage joué par Martin Freeman s'appelle en fait dans le film Everett Keaton Ross. Alors Keaton, c'est pour le personnage de Alex P. Keaton, qui est joué par le grand Michael J. Fox dans Family Ties. Et Ross, le nom de famille Ross, c'est par rapport au rôle de Ross tenu par David Schwimmer dans l'excellent Friends. Alors, du côté de la baston, pour donner plus de réalisme aux scènes de combat, Coogler a demandé que tous les acteurs des rôles principaux effectuent eux-mêmes leur cascade. Genre, t'as pas le choix, quoi. Tu vas prendre des nions. Alors, ça évite des plans de coupe et donner plus de rythme aux scènes. Alors, Chadwick Boseman était déjà habitué et avait aussi un entraînement depuis Civil War. Mais alors, pour Lupita Nyong'o, voilà. Danai Gurira, Laetitia Wright, il a fallu un entraînement plus intense. Bah oui, parce que là, les ennemis, c'était pas des zombies. Là, c'est clair. Pour la scène de poursuite, d'ailleurs, pour la scène de poursuite en courir, la grosse scène avec les bagnoles, etc., Coogler a eu l'idée de tourner la scène en montage direct, c'est-à-dire comme à la télé, chose très rare au cinéma. Hein. Donc en fait, en utilisant cette technique, il voulait apporter plus de réalisme et de vitesse à la scène. C'est-à-dire qu'en fait, toutes les caméras tournaient en même temps. Lui, il avait le combo, il était avec ses monteurs, il avait le combo avec toutes les images, et comme à la télé, en fait, en appuyant sur les boutons, c'est lui qui changeait directement les caméras, et ils ont tourné la scène comme ça plusieurs fois, mais en plan séquence. Alors après, bon, il y a eu quand même un petit remontage derrière, mais du coup, ça, ce qui donne beaucoup de dynamisme comme ça, c'est qu'en fait, les scènes, les changements de caméra étaient faits en live, et le réalisme, pareil, est super bien rendu. Alors, l'actrice Lupita Nyong'o, encore elle, et l'acteur Winston Duke... Alors ça, c'est énorme. En fait, se connaissaient d'avant le tournage. Ils étaient tous les deux étudiants à l'université de Yale. Ils ont été voir ensemble le premier Avengers, et à la sortie du cinéma, ils se sont dit qu'ils rêveraient un jour de tourner dans un Marvel. Ça c'est cool, quoi. American Dream, quoi. Ouais, c'est ça. Et en plus, ils ont tourné en plus dans le même film, quoi. Alors pour le rôle de T'Challa, Chadwick Boseman n'était pas la première idée de Marvel. En fait, il y a eu d'abord Adwell Akinoye Abjae, alors désolé pour les prononciations, j'y suis pour rien, Anthony Mackie et Jimon Unsoon. Les trois étaient pressentis pour le rôle. Mais si ça ne s'est pas fait pour eux, ce qui est drôle quand même, c'est qu'ils ont quand même finalement tous travaillé chez Marvel. Akbaje et Al Grim dans Thor, Le Monde des Ténèbres. Mackie, c'est Sam Wilson, hein, qui a démarré dans Captain America, donc le Faucon, et Unsoon et Korath dans Les Gardiens de la Galaxie et aussi dans Captain Marvel. D'ailleurs, à noter que Unsoon est la voix officielle de Black Panther dans les séries animées. Donc il a quand même réussi à avoir ce qu'il voulait. En 2018 arrive également, mais quoi donc, tant attendu premier Infinity War, premier épisode d'Infinity War, Avengers. Donc les frères Russo sont de retour dans l'univers Marvel après le succès de Civil War et leur maîtrise pour faire tourner autant de personnages en même temps. Alors Feige explique qu'il ne voyait personne d'autre de toute façon pour réaliser l'apothéose du MCU. Ouais, bon, après je pense que Civil War aurait fait un flop. Voilà, je pense qu'il aurait vu quelqu'un d'autre pour réaliser. Mais bon, voilà, le Civil War avait super bien marché, donc c'était normal qu'il revienne. Alors pour Thanos, les frères Russo voulaient créer... en fait, le nouveau Dark Vador, hein, tout simplement, voilà, pour la génération actuelle, c'est-à-dire qu'ils voulaient que leur méchant crève l'écran. Ils expliquent que faire un méchant qui marquera les gens était pour eux, c'était la clé pour rendre le final du MCU, pour rentrer le final de MCU dans l'histoire de la pop culture. Et ils avaient tout à fait raison, en tout cas, surtout sur Infinity War. Alors, dans Infinity War, Robert Downey Jr. et Chris Evans fêtent leur 9e interprétation de leur personnage. Déjà ! Oui. Donc un record, hein, après celui de Hugh Jackman dans le rôle du Wolverine et Patrick Stewart dans le rôle du professeur Xavier dans les X-Men. Alors, lors de la promo précédemment de Spider-Man Homecoming, Tom Holland a multiplié les bourdes en révélant plusieurs scènes du film. Du coup, il a été le seul acteur à ne pas avoir le script en entier. Puni. Voilà. Salmôme. Salmôme. Donc seules les parties où son personnage était présent lui ont été données. C'est-à-dire que le mec a commencé le tournage sans savoir en fait qu'un truc du film, quoi. Complètement. C'était pas plus mal en même temps. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que Josh Brolin dans ce film n'a pas fait que prêter sa voix à Thanos comme il faisait lors des apparitions du Titan dans les autres films. Cette fois-ci, il a vraiment tourné ses scènes en présence des autres acteurs. Alors bien sûr,
avec son petit gabarit, il n'avait pas celui de Thanos, hein. Donc il avait bien sa combinaison en motion capture pour réintégrer ses mouvements. Mais en plus de ça, il avait des espèces de gants qui représentaient en fait la grosseur et la grandeur des mains de Thanos, pour que les acteurs en fait arrivent mieux à s'imprégner du personnage quand Thanos l'est chopé, hein, tout simplement. Et en plus, sur sa combinaison, il avait une espèce de grande tige posée sur sa tête. Qui représentait en fait en haut de la tige le portrait de Thanos, de la tête de Thanos, hein, dessus, pour donner un repère de taille et surtout un repère pour les yeux, pour que les acteurs sachent où regarder. Un peu comme Mark Ruffalo avec Hulk et ses deux antennes et ses petites balles de ping-pong ou de tennis au bout. Alors il faut savoir que c'est le film où Marvel a battu tous ses propres records. Yeah. Donc film le plus long du MCU à ce moment-là, 2h29. Film le plus cher du MCU, 300 millions. Record des préventes, c'est une culture très américaine les préventes, mais bon, record des préventes pour l'arrivée du film. Record du meilleur démarrage de tous les temps avec 250 millions de recettes en premier week-end, dépassant Star Wars Le Réveil de la Force, qui était à lui à 247,9 millions de dollars. Petit joueur. C'est ça. Alors, pour clôturer Infinity War, quand même, il y a la scène post-générique dont tout le monde... qui avait ravi tout le monde. Hein. C'est ça. Tout le monde l'attendait. C'est est-ce que, oui ou non, on allait avoir, ne serait-ce qu'un message, c'est le cas de le dire, une apparition du personnage de Captain Marvel avant la sortie du film Captain Marvel. Donc on l'a eu, d'une manière auquel personne ne s'attendait. Ah, ça c'est clair. C'est, on est en train de subir le fameux snap de Thanos. Laissez-moi parler. Oui, pardon, excusez-moi. C'est moi le spécialiste. Et donc le snap de Thanos, et là on voit tout d'un coup Nick Fury sortir un Badger. Tout va bien. Envoyer un message, le Badger tombe puisque Nick Fury s'éparpille en cendres. Et là on voit juste le logo de Captain Marvel apparaître. Et là je pense que beaucoup des fans des comics ont ressenti un petit frisson quand ils ont vu cette image. L'effet wow de Marvel. Ça y est, enfin. Ouais, en tout cas, voilà, Avengers Infinity War était attendu. Marvel a réussi son pari. D'ailleurs, je crois que c'est le film qui a reçu la meilleure note de l'histoire du MCU en termes de satisfaction spectateur. Donc toujours dans la même année, le dernier film de 2018, Ant-Man et la Guêpe. Alors il y a une première dans l'univers Marvel, c'est que Ant-Man se passe en parallèle d'Infinity War. C'est la première fois que deux films en fait sortent coup sur coup, mais se passent au même moment, à la même période. D'ailleurs, si vous vous souvenez, l'absence de Scott est mentionnée dans Avengers. Donc le film s'inspire beaucoup des romans policiers de Elmore Leonard, dont les films Hors d'atteinte et Get Shorty sont tirés. Alors pour le méchant, la méchante, pour Phantom, ce qu'il faut savoir, c'est que Marvel a voulu le plus possible se rapprocher du costume original des comics, parce que Feige trouvait que le costume déchirait, c'est ses mots. Et il avait raison, et d'ailleurs, le costume est vraiment super bien fait. Alors, c'est Evangeline Lilly qui s'est le plus investie dans l'entraînement avant le tournage, et surtout pendant les cascades. Elle a fait quasiment l'intégralité de ses scènes de combat. Ouh, Paul Rudd! C'est ça. Alors, juste petite anecdote, parce qu'on n'en a pas beaucoup sur ce film, mais un petit détail que vous pourriez vous amuser à regarder la prochaine fois que vous le matez, c'est que les costumes donc, de Ant-Man et de la Guêpe, si vous regardez les plastrons, donc la poitrine, bah, vous verrez qu'on peut y voir la tête d'une guêpe et la tête d'une fourmi dans les formes géométriques qu'on a sur le torse. Voilà, petit détail qui pourrait vous amuser à vérifier. Mais tout à fait, mais c'est très bien. Merci de l'avoir cité, monsieur S. J'ai bien fait de vous faire venir. C'est bien fait. Alors bien sûr, dans ce film, on retrouve aussi le grand Laurence Fishburne, qui joue le rôle de Bill Foster. Donc pareil, encore un grand nom de Hollywood qui vient interpréter un petit rôle finalement, enfin, ouais. un petit essentiel, second rôle, mais voilà. Un second rôle malgré tout, et c'est intéressant, et ça permet aussi de faire un clin d'œil à un personnage des comics, on va dire, qui était les prémices du Ant-Man qui devient géant. Voilà, c'est ça. Et pareil, bien sûr, à la fin, la grande surprise, c'est l'apparition de Michelle Pfeiffer, donc ça, super, super surprise. Et d'ailleurs, on retrouve toutes ces petites personnes, donc Michael Douglas, Michelle Pfeiffer, Evangeline Lilly, dont pour moi, ce qui est peut-être la meilleure scène
post-générique de l'univers Marvel, parce qu'elle nous laisse... Alors, franchement, je ne l'avais pas vu venir. Du coup, quand Ant-Man rentre dans son, à travers son petit van, et reste bloqué avec, du coup, la disparition, comme ça, de Evangeline Lilly, Michelle Pfeiffer et Michael Douglas, la scène est vachement bien. Surtout quand ça venait juste après Infinity War, donc on était encore un petit peu dans le truc, et j'ai trouvé l'idée super bonne. Donc l'année d'après est arrivé enfin un film centré exclusivement sur un personnage féminin. Donc c'est Captain Marvel qui sort en 2019, donc cette année. Alors Marvel voulait absolument une réalisatrice pour ce film. Après avoir consulté plusieurs de celles-ci, c'est finalement un duo qui a été choisi. Alors du coup, un duo homme-femme. C'est Anne Bonheim et son binôme Ryan Fleck. Alors ils n'ont pas pris un réalisateur et une réalisatrice pour se dire, ils n'ont pas rajouté un réalisateur à la réalisatrice. C'est un duo qui a toujours travaillé ensemble, soyons précis. D'ailleurs, ils avaient déjà réalisé, entre autres, Alf Nielsen, avec qui Ryan Gosling avait bien cartonné dans ce film-là. Alors, il faut savoir que, donc là, au niveau du casting, il y a une petite particularité, c'est qu'il y a une actrice qui a fait du forcing pour obtenir le rôle de Carol Danvers, bon, qui ne l'a pas eu, mais qui a vraiment tout fait pour l'avoir, c'est Bryce Dallas Howard. Parce qu'en fait, lors de plusieurs interviews, elle était là, « Ouais, non, mais j'aurais adoré interpréter un personnage du Marvel, type Captain Marvel, et avait fait plusieurs appels du pied à Feige. » C'est mignon, c'est chou. C'est adorable. Mais le choix du studio, du coup, s'est porté sur l'oscarisé Brie Larson. Et oui, je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui sont en train d'écouter et se disent « Quoi ? Brie Larson est déjà oscarisée ?» Mais oui, souvenez-vous, pour le super film « Room », elle a eu l'Oscar cette année-là de la meilleure actrice. Et si vous n'avez jamais vu ce film, Room, il est disponible sur Netflix d'ailleurs, petite pub gratos, je vous conseille de le regarder car c'est un excellent film et elle est juste dedans, incroyable. Et je vous conseille aussi son premier film en tant que réalisatrice d'ailleurs, Unicorn Store, qui est vraiment très très bien. Bref, revenons à Brie Larson. Alors donc du coup, pour interpréter le rôle, elle a suivi quand même 9 mois d'entraînement intensif pour pouvoir tourner une grande partie de ses scènes d'action elle-même. Elle avait aussi suivi des stages de pilotage d'avion, parce que Marvel poussant toujours le truc au plus loin, pour être la plus crédible possible en tant que pilote de chasse dans l'armée. Et pour aller encore plus loin dans sa préparation, Marvel s'était renseigné auprès de l'armée de l'air américaine pour savoir si l'âge de 29 ans, qu'avait à l'époque Brie Larson, n'était pas trop jeune pour être pilote. Et c'est avéré que non, parce qu'en fait, la moyenne des pilotes, la moyenne d'âge des pilotes, dans l'armée américaine en tout cas, se situe entre 28 et 34 ans. Alors dans ce film, on retrouve Samuel L. Jackson dans le rôle de Nick Fury. Alors là, voilà, c'est quand même juste impressionnant parce que du coup, le film se passe fin 70, début 80. Donc Samuel Jackson était forcément plus jeune à cette époque-là. Donc du coup, le rajeunissement est juste incroyable hein, sur ce film, ça, il n'y a pas à dire. On dirait en fait, je trouve, le Samuel Jackson dans Pulp Fiction, alors avec un peu plus de poids, parce que forcément, il est 6 petits kilos d'un homme qui a 70 ans, quoi. Donc voilà. Mais franchement, physiquement, c'est juste incroyable. Donc pour le rajeunissement de Samuel L. Jackson, Marvel en fait a refait appel tout simplement à la société Lola FX. Alors c'est celle qui avait fait en fait, qui avait déjà travaillé sur le corps de Chris Evans pour Captain America. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que au tout début du premier Captain America, quand Chris Evans est tout friluqué, tout petit et tout, en fait c'est un acteur qui avait ce gabarit-là qui a joué son rôle et Chris Evans a joué lui les scènes, mais sur fond vert, habillé tout en vert, etc. Et ils ont en fait intégré après sa tête dessus et ils ont rajeuni Chris Evans, et ils l'ont amaigri aussi. Et donc, c'est la société Lola FX qui s'est occupée de ça. C'est elle aussi, d'ailleurs, qui avait fait le truc fou, le rajeunissement de Michael Douglas dans Ant-Man, ou Kurt Russell aussi dans Les Gardiens de la Galaxie, volume 2. Et c'est surtout eux qui ont géré aussi l'amaigrissement de Robert Downey Jr. Au début de Endgame, quand il est retrouvé sur le vaisseau des Gardiens, avec Nebula, c'est aussi eux qui ont géré cette partie-là. Alors, avant d'accepter le rôle de Manrog, Jude Law, justement, a demandé un conseil à son pote de Sherlock Holmes, Robert Downey Jr. Et alors, lui, le seul conseil qu'il lui a donné, c'est de se concentrer sur son texte. Ça, c'est énorme, ça. De jouer et de faire ce qu'on lui demandait, même s'il ne comprenait pas tout. Pour le reste, Marvel s'occuperait du reste pour tout remettre dans l'ordre. C'est tellement ça en même temps. C'est un peu vrai.
Alors, l'excellent, parce que j'adore ce mec, Ben Mendelsohn, qui joue les, on va dire en fait, qui joue le faux méchant du film, voilà, qui joue le rôle de Talos. Alors, bon, en français, ça s'entend pas. Mais si vous regardez le film en version originale, ce que je vous conseille, hein, bien sûr, c'est qu'il a joué avec les accents pour ce film, parce que bon bah du coup il est Talos, donc c'est un personnage qui arrive à se changer. Et quand il prend le rôle des traits du patron du Shield, de Keller, le patron du Shield, il s'amusait donc du coup à jouer avec les accents. Donc quand il jouait Keller, il jouait avec un accent américain, mais dès qu'il reprenait les traits de l'alien Talos, là il reprenait son accent, parce qu'il est australien, son accent australien d'origine. Donc j'ai trouvé ça, ouais, je trouve ça assez sympa comme petit truc. Et ce qui est bien aussi, c'est que pour une fois, il n'a pas le vrai rôle de méchant, et en fait on s'aperçoit que même en gentil, il est quand même aussi bon. Alors il faut savoir que c'est quand même une liberté aussi, encore une fois, on retrouve là Marvel qui prend des libertés sur les histoires d'origine. C'est sûr. Parce que les Skrulls... c'est pas un pauvre petit, une pauvre petite peuplade d'aliens tourmentée. Non, c'est des puputes. Hein. C'est dans les comics, c'est des vrais méchants et Captain Marvel se bat vraiment contre eux. Donc c'était voilà, le parti pris de Marvel là-dessus et voilà, c'est un choix, mais tous les fans des comics n'ont pas forcément apprécié. C'est clair. Alors il faut savoir aussi une chose sur Brie Larson dans son rôle de Captain Marvel, c'est qu'elle a enchaîné en fait ce film et Endgame. Mm. Donc pour la fameuse scène post-générique. En fait, il faut savoir que elle l'a tournée sur fond vert et en fait, elle ne sait pas à ce moment-là à qui elle parle et à qui elle s'adresse. C'est ça. C'est qu'en fait, la scène post-générique où elle arrive, où elle demande où est Nick Fury à Captain America, il y a Black Widow et ça doit être War Machine. Ouais, peut-être, je sais plus. Enfin bref, quand elle leur demande où est Nick Fury, bah, en fait, cette scène-là, elle l'a faite elle seule sur fond vert pendant le tournage de Captain Marvel. Sans savoir où est-ce qu'elle allait atterrir, où est-ce que cette scène allait atterrir, et surtout avec qui elle parlait. Donc ça, pareil, vous allez voir dans l'épisode juste après, ce qui nous amène donc du coup à Avengers Endgame. Vous allez voir que dans ce film-là, il y a eu aussi pas mal de petites choses qui ont été tournées un petit peu dans tous les sens, parce que voilà, l'ampleur du film fait que le film a eu quand même le tournage le plus long du MCU. Car des scènes, donc du coup, de Endgame avaient déjà été tournées pendant Infinity War. Mais alors, du coup, pour garder le secret au maximum, même les acteurs, en fait, quand ils tournaient les scènes, ils pensaient que c'était des scènes pour Infinity War. Mais en fait, non, c'était bien des scènes qui étaient déjà programmées pour Endgame, mais pour éviter les fuites, parce qu'à cette époque-là, seuls les Russo et Feige, bien sûr, connaissaient l'échéance de Endgame. Donc, du coup, déjà dans Infinity War, des scènes ont commencé à être tournées pour Endgame. Alors, notamment, ça a été le cas pour la scène de combat final, qui s'est tournée sur plusieurs temps, avec des fois des apparitions d'acteurs, tournées pendant Infinity War, sans vraiment savoir ce qu'il tournait. Alors, comme la scène de l'enterrement de Stark, regardez bien la tête de Strange. Et oui, dans cette scène, en fait, quand la caméra avance, alors tous les personnages ont été, la plupart en tout cas, ont été tournés sur fond vert, parce que voilà, il y avait les emplois du temps à gérer, bref. La seule personne qui n'a pas pu en fait tourner cette scène, c'est Benedict Cumberbatch. Donc du coup, ils ont utilisé son double numérique, mais comme le double numérique normalement sert pour les effets spéciaux de bagarre, etc., où ça bouge beaucoup et on a du mal à voir, regardez bien la scène parce que Cumberbatch ne bouge pas d'un cil, il cligne même pas les yeux, rien, il n'y a rien qui bouge parce qu'en fait, tout simplement, ce n'est pas lui, c'est sa doublure numérique. Alors, Tom Holland, encore lui, a été encore plus puni que sur Infinity War. C'est vraiment un sale moment. Alors, il y a eu des dialogues avant le tournage, sans même savoir avec qui il allait tourner. Encore mieux. Et toujours pour protéger des spoils. Et alors, on revient sur la scène de l'enterrement de Stark à la fin de Endgame. Lui, en fait, sur sa version du scénario, c'était pas un enterrement. Lui, en fait, on lui a dit que ce sera un mariage. Voilà. La dernière scène de Endgame. Parce que du coup, comme il est arrivé sur le set costumé, etc., comme tous ont tourné cette scène-là séparément, les frères Rousson lui disent « Non, t'inquiète pas, il y a quelqu'un qui se marie. On peut pas te dire encore qui, mais tu verras. » En fait, non, c'était bien pour une scène tragique. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les bases de référence pour ce film, pour une fois, ne sont pas d'autres films, mais c'est une série. C'est Star Trek New Generation. Les frères Rousson étaient fans de cette série et trouvaient que l'ambiance de cette version de Star Trek correspondait très bien à Endgame. Et alors, pour la musique, il faut savoir que c'est Alan Silvestri qui est encore à la composition. C'est à lui que l'on doit le fameux thème principal d'Avengers
et de Retour vers le futur, entre autres. Et film multi-référencé dans Endgame. C'est clair, en plus, ouais. Alors, vous l'aurez remarqué, dans ce film, certains des personnages reviennent dans d'autres films précédents. Et donc, une des scènes avait été tournée dans la cathédrale de Durham, en Angleterre. De Durham, pardon, excusez-moi, en Angleterre. Et la peur d'une fuite sur l'intrigue était tellement grande chez Marvel qu'ils ont même réussi à faire en sorte que les gardes officiels de la sécurité de la cathédrale soient interdits sur du plateau. C'est un truc fou. En même temps, là, c'était tellement... Enfin, voilà, là, on était dans l'intrigue principale du film qui allait tout clôturer. C'est sûr que si l'histoire du voyage dans le temps aurait fuité, ça allait être compliqué. Bon, hélas, elle a quand même fuité, parce qu'il y a eu, lors des reshoots, surtout pour la scène où Captain America, Iron Man et Ant-Man essayent de revoler le sceptre de Loki, non, le cube cosmique, pardon, de Loki. Ces scènes-là ont été, hélas, énormément paparazzées, et c'est à ce moment-là qu'on a commencé à voir les capteurs qu'ils ont sur les mains pour voyager dans le temps, et d'ailleurs, c'est à ce moment-là que les gens commencent à se dire « Oh, ça sent le voyage, machin, etc. » Alors après, j'ai envie de te dire que, pour ceux qui l'ont peut-être aperçu sur Internet, c'est que les plus grands spoilers de l'univers Marvel, c'est Marvel eux-mêmes. Ouais, c'est clair. Parce que, notamment, pour des questions purement financières, à travers les jouets, puisque en fait les costumes de voyage dans l'espace-temps, ont été spoliés à cause des séries de jouets qui avaient déjà été signées à l'avance, et notamment aussi avec des jouets Lego, voilà, qui avaient été signés auparavant. C'est clair. Merci. Ils se sont spoliés eux-mêmes, en fait. Donc on va terminer ce qu'on sait sur Infinity War par la scène la plus impressionnante. Hein. C'est la scène de combat finale où tout le monde apparaît. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que cette scène-là a été tournée en deux fois. La première salle de tournage a eu lieu durant les dates officielles de tournage, et il y a eu un reshoot qui a été fait plus tard pour augmenter l'intensité de la scène. Alors lors de ces reshoots, du coup, il y avait des absents. Il y avait Zoe Saldana qui joue le rôle de Gamora, et Karen Gilliam qui joue le rôle de Nebula. Donc les deux sisters n'étaient pas là, tout simplement prises par d'autres tournages. Et Cumberbatch non plus, sur certaines scènes, n'était pas présent. Et enfin, il y a quasiment aucune scène, en fait, de ce combat final où les acteurs ont tourné quasiment tous en même temps. Ça a toujours été fait par bribes, même s'ils se trouvaient sur le tournage, sur le plateau de tournage, etc. Il n'y a eu quasiment aucune scène où ils tournent tous en même temps sur le set, juste parce qu'en fait, l'apparition de tous les Avengers à la fin se fait sur beaucoup, beaucoup de mètres. Donc du coup, ils n'avaient pas des plateaux assez grands, donc ils ont coupé les scènes pour les raccommoder après et les reficeler via l'aide numérique. Donc ça, voilà. Et une dernière petite chose, avant de terminer avec ce troisième épisode. Si vous regardez la scène, on revient vite fait sur la scène de l'enterrement de Tony Stark, beaucoup ont dû voir un petit garçon, enfin un jeune garçon, blondiné, seul, en costume, etc. Alors en fait, c'est l'acteur Ty Simpkins qui joue le rôle de Harley dans Iron Man 3. En fait, ils ont rappelé l'acteur qui a grandi depuis, hein, parce que ben voilà, quelques années ont passé, mais pour donner une petite touche à ce film-là, parce que c'est vrai que le rôle Iron Man et Harley, d'ailleurs, rappelle beaucoup le rôle Iron Man Spider-Man après. Voilà, beaucoup de gens avaient adoré ces passages-là dans Iron Man 3, donc du coup ils l'ont rappelé. Alors est-ce que ça ouvre quelque chose derrière pour lui dans le futur du MCU? Ça, c'est une autre question à laquelle nous ne pouvons pas répondre pour l'instant, mais à laquelle nous allons essayer de répondre au quatrième et dernier épisode de cette série sur l'Infinity Saga du MCU. Donc du coup, les amis, on vous dit à la semaine prochaine, à mercredi prochain. Comme d'habitude, on espère que ça vous a plu. Surtout, n'hésitez pas à partager sur les réseaux, à commenter, à liker et à en parler autour de vous, surtout qu'il y a deux charmants tarés qui essayent de faire plein de choses intéressantes. Ah oui, c'est nous. Je parle de nous, là, pour une fois. Donc voilà, en tout cas, on vous remercie pour votre fidélité pour les derniers épisodes, parce que voilà, on marche bien, donc on est très contents. On vous fait des gros bisous. On vous dit à la semaine prochaine pour le dernier épisode, donc sur l'après-Infinity Saga. Qu'est-ce qui va nous arriver? Qui c'est qui va venir?
Monsieur S, je te remercie. C'est moi. Merci encore à tous. Et on vous dit à la semaine prochaine. On vous embrasse, on vous aime et à plus tard. Ciao.